Moi c'est Rabah Slimani, hein, j'ai 24 ans, je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à Sarcelles. Je suis rugbyman professionnel depuis 2008. J'aimais bien les sports collectifs, bon, ça changeait du foot et je me suis bien entendu avec les gens du rugby, surtout parce que voilà, j'avais un gabarit un peu pas comme les autres et voilà, on sait qu'au rugby il y a de la place pour tout le monde. Moi j'ai commencé ici avec les sélections départementales, avec l'équipe du Val d'Oise. Bon, on a dû gagner quelques titres, bon, je ne me souviens pas trop, mais après il y a l'équipe pré-sélection Île-de-France. Moi bon, j'avais pas été pris la première année, après la sélection Île-de-France l'année d'après quand j'arrive à Paris. Je crois qu'on fait champion de France justement avec le comité Île-de-France. Et quand je suis arrivé au Stade français, la première année cadet, justement, on fait champion de France cadet. C'était, bon, à l'époque, c'était la grande finale, en plus, contre Perpignan. Pour nous, Perpignan, c'était la grosse équipe. Donc, voilà, on fait champion de France cadet, on fait finale de coupe. Et voilà, après, j'ai fait, comme palmarès, j'ai fait champion d'Europe avec l'équipe de France moins de 20 ans. Bon, ce qui est actuellement le tournoi destination, c'était pour les moins de 20 ans et on a gagné ce championnat-là. Et puis voilà, après, le palmarès, j'espère qu'il y en aura d'autres, hein, champion de France et pourquoi pas encore champion d'Europe avec la grande équipe. On se trouve sur les terrains de rugby de Sarcelles, c'est là où j'ai commencé, c'était sur les petits terrains là-bas et depuis quelques années maintenant ils ont un très beau terrain d'honneur. C'est un peu particulier d'être ici parce que c'est là que j'ai commencé et voilà. Bah, maintenant où, au niveau où je suis, bon voilà, c'est vrai que tout est bien, tout est beau, mais ça n'a jamais été facile, surtout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ici au lycée à Sarcelles, c'était vraiment les va-et-vient. Je partais du lycée avec mon sac de sport, je courais jusqu'à la gare, je prenais le train pour me rendre de l'autre côté de Paris à Vaucresson. Et moi ça n'a pas été facile parce que derrière j'avais les cours, fallait que j'assure dans les cours et rentrer le soir à 23h à minuit et le lendemain recommencer les cours à 8h, c'était un peu difficile. Après voilà, comme j'ai dit, Le travail, ça a payé et c'est là que j'ai eu la chance après de rentrer au centre de formation. Et là, par contre, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus structuré. Mais il y a quand même les études, c'était pas fini. Il fallait quand même batailler derrière aussi, justement, pour allier sport et travail. Surtout quand on commence à faire les sélections, qu'on voit d'autres personnes, qu'on se dit « Ah ouais, les gens viennent pas du même milieu que moi, mais moi, je suis là, quoi. » C'est là que voilà, on a envie de montrer aussi. Moi aussi, je suis là, je suis présent et j'ai envie de montrer que même si on vient des quartiers, que ce soit voilà, de n'importe où, n'importe qui peut réussir. Faut qu'on soit soudé parce que c'est au foot, il peut y avoir beaucoup d'individualité, mais au rugby, s'il n'y a pas de collectif, ça marche pas. Donc c'est sûr que voilà, quand on nous voit, on se sent assez proche, assez soudé. Et après, à l'approche des matchs, bon, chacun a ses petites superstitions, donc ouais, chacun se met dans sa bulle. Par contre, après, arriver une fois au vestiaire, tout le monde coupe son téléphone et voilà, on est ensemble. S'il faut se parler, on se parle. S'il faut rester tranquille, on reste tranquille, mais voilà, chacun pense à son match. C'est du superficiel, avoir une grosse voiture, ça apporte rien. C'est vraiment voilà, d'avoir la fierté de sa famille, de ses amis. Voilà, après faire sa petite famille et voilà, vivre vraiment tranquillement et pas,
pas d'excès. Nous, dans le rugby, voilà, on gagne bien notre vie, mais on voit pas de mecs arriver en Porsche ou en truc, quoi, parce que voilà, les mecs restent humbles. Et la plupart savent d'où ils viennent. Moi particulièrement, voilà, maintenant je sais d'où je viens, je sais où est-ce que j'ai commencé, et c'est pas parce que je gagne un petit peu d'argent que voilà, je vais flamber. Faut vraiment penser à l'avenir et savoir bien gérer sa vie. La réussite, c'est pour moi, c'est vraiment d'avoir fait de ma passion un métier, voilà, de vivre de ma passion. Ça, c'est déjà une bonne chose, et surtout voilà, de voir la famille, les amis, voilà, fiers de nous voir. J'allais dire à la télé, mais de voir jusqu'où on est arrivé, franchement avec un peu d'envie, avec un peu de rigueur, franchement on peut arriver à tout, à réaliser ses rêves.